Simon Scott, pardon. Qui te fait Evelyne Saint-Saëns en promesse dans la vidéo, ça, pardon. Moins Johnson Napoléon. Parents Evelyne Saint-Saëns pas l'argent pour le traîner la justice. Moins qu'ils entraînent la justice déjà. Et m'a payé quel que soit l'argent qu'il faut pour me faire camper un jour sur Internet ça pour dire moi c'est menteur. Je présente excuse-moi à Johnson Napoléon et présente excuse publiquement à parent Evelyne Saint-Saëns. Je fais tout pour plusieurs autres jeunes haïtiens ou bien les haïtiens qui ont gros noms. Tant que Wendel Théodore en Haïti, ou chercher éliminer, tant que Valérie Numa, tant que Bob C, tant que Christina, Christine Coupette, je fais pour le monde ça. Qui n'a pas parlé à ta gomme, mais moi-même, je fais pour eux, mais je fais beaucoup plus pour eux. Je continue à faire, pour Evelyne Saint-Saëns. Deuxième, M. Napoléon, c'est pour un jour, ou pardonnez moi ta prime. Nous tous connaissons que M. Napoléon réalisait un pile gros bagaille et il contribuait à bagaille qui positif dans la communauté. Il travaille en pile et dans des conditions qui sont difficiles pour arriver à côté de lui. M. Napoléon a doué Kounia, a joué tout droit à l'honneur et réputation. Ça, il bâti à Pali. Et je reconnais ça. Parlement dit sous lui depuis 2020, yo, ça la réputation. Bagaille m'a dit sous lui, yo, t'es sans preuve. Et jour que je dis, il n'y a aucun document qui peut prouver samedi pour me dire non bien, paroles à eux, pas de vérité, et pas de droit de dire tout. Bonsoir tout le monde. Vidéo ça, je fais spécialement pour m'adresser à Johnson Napoléon, que depuis 2020, j'ai tenu une série de propos qui pas importants, des trucs que j'ai dit qui pas nécessaires, parce que je bat vraiment contre Johnson Napoléon. Et vraiment, pendant 3 ans, ça a que c'est du bien seulement moi, sur les réseaux sociaux, que Johnson Napoléon a fait. Sur le plan culturel, monsieur porté support à la communauté haïtienne et aider tant d'autres jeunes à émerger, à faire business, tout ça. Et, avant qu'on continue plus, me dit monsieur, félicitations, parce que m'bat connu cette dimension, vraiment, mon zao, l'itéye. Et puis, ça te vient prendre 2023, me dit que, on est bon ça, moi, qui a fait tout le bail, ça. Vous avez raison pour me braler au mois de septembre, pour me braler dans la justice avec monsieur, comme si, l'on est devant la justice, c'est pas ça que bien on va le dire des nègres là, et puis devant qui est-ce, devant juge blanc, et comme si me sentis me diminuer, comme petite Dessalines, et Johnson Napoléon tout, petite Dessalines, en tant que haïtien, en tant que américain d'origine haïtienne, moi-même, en tant que canadien d'origine haïtienne, me sentis vraiment plat pour me dire des choses négatives dans le monde, moi, qui a fait tout le bagage, ça, au cours de 3 dernières années, ça, ok, surtout ça, l'était fait déjà, me bat connaît. C'est pour ça, frère, Johnson Napoléon, me présente aux excuses-moi. Et, non, question de classe bourgeois noire, que moi-même, spécialement, m'a prôné, prendre naissance dans le pays d'Haïti, parce que avec comme influenceur avec fan de BG international on est tant court quand même capitaine classe bourgeois noire pour nous retirer le pays à côté de l'IA parce que c'est nèg noir qui reconnaît valeur nèg noir et moi c'est fan de BG on va camper d'ailleurs dès après que fin les deux textes qui présente aux excuses et avec toute sincérité mon brother John Golem Morvan Bagan rien contre tout tenu m'était tenu en 2020 et jusqu'à 2023 même quand même mettre 2023 là-dedans c'est des bagages qui va te camper sur rien et me faire rétraction dans bout de vidéo ça de toute ça me dit de vous et me via 2 textes français créole me lire là pour vous et m'a demandé tout blogueur tout fan de BG international poster au tout côté et m'a demandé technicien tout mettez toute vidéo ça sur toute plateforme de BG international yo dès après me finir là mon cher. M'salue, et en pile l'amour pour vous, frère, m'lire, m'gado, et comme si c'est nan membre de la famille m'sorti, et m'gé frère m'gé réussi, même j'avoue, même pas quoi avoue, m'félicite. Surtout, m'te le cite non pas pour, qui te mouri déjà, non détail, c'était bagaille personnel, l'itéye, c'est manque d'expérience, moi, dans mes cours qui te fait ça, et ça, style de bagaille, ça, on va répéter encore, pour m'rabaisse, sale réputation, dans ce sens ça, mon cher, excusez, et, nan texte, moi, ouvre, comprendre ça, et me faire rétraction de toute ça me dit vidéo brother. Aujourd'hui, je dois vous parler d'une situation dont je suis pas fier. En effet,
J'ai commis des erreurs graves envers un membre estimable de la communauté haïtienne. Ces erreurs, j'en suis le seul responsable. Je vais donc tout d'abord m'adresser à lui, car je veux lui présenter mes excuses. Johnson Napoléon, Monsieur Johnson Napoléon. Je comprends maintenant la douleur et le désagrément que je vous ai causé. J'en ressens, Monsieur Napoléon, du remords. La manière dont les erreurs se sont produites résulte de mon manque d'expérience et de manque de rigueur dans ma pratique médiatique. Ce que je regrette sincèrement, je réalise maintenant que le fait de tenir un micro est un privilège et qu'il ne faut pas en abuser. De telles erreurs similaires ne se reproduiront plus à l'avenir et je ferai preuve de plus de professionnalisme dans mes propos, Monsieur Napoléon. Je suis désolé. Je comprends que mes propos envers vous n'étaient pas exacts. Je regrette le tort que j'ai pu causer à votre nom et votre réputation en Haïti, Chili et aux États, et même aux États-Unis. Mon désir, Monsieur Napoléon, est que vous vouliez bien un jour me pardonner. Je m'adresse maintenant à vous tous. Il est bien connu que Monsieur Napoléon a réalisé de nombreux accomplissements et contributions positives envers sa communauté. Il a travaillé dur pour arriver là où il est maintenant. Il avait donc à ce que son honneur et sa réputation soient reconnus. Le propos que j'ai tenu à son endroit depuis 2018 et qui ont pu le blesser et même tenir sa réputation était sans preuve ni documentation. Et d'autres termes, ses propos n'étaient pas exacts et n'auraient pas dû être tenus. En particulier, les allégations suivantes que j'ai faites sont inexactes. Allégations au sujet de sa participation et de mauvaise utilisation des fonds Petro-Caribé, blanchiment d'argent et participation à des activités de corruption. Napoléon, Monsieur Napoléon, n'a rien à voir avec de telles situations. Allégations au sujet de sa participation à des activités criminelles. Monsieur Napoléon n'a rien à voir avec de telles situations. Au sujet du Collège Azur que dirige M. Napoléon, cette institution n'a à voir ni avec du blanchiment d'argent, ni avec de la mauvaise utilisation de fonds de Petro-Caribé. Je reconnais que le Collège d'Azur a remis des bourses d'études à des étudiants d'origine haïtienne et que c'est sous cette forme qu'un montant de 400 000 a été distribué, ainsi dans la communauté. Au sujet des activités commerciales de M. Napoléon au Chili, mes propos étaient sans fondement. Enfin, j'ai tenu sans raison des propos envers le défunt père de M. Napoléon, M. Sainte-Croix Napoléon, également par respect pour sa mémoire, il y a lieu de rappeler que les accomplissements réalisés par celui-ci similaires à ceux de son fils. C'est au nom de M. Sainte-Croix Napoléon que je vais d'ailleurs faire une donation à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Je reviens à vous, M. Napoléon, car je souhaite à nouveau vous réitérer mes excuses. Vous pouvez être certain que je prends la situation au sérieux et reconnais l'impact de mes actions. Mon désir est de restaurer la confiance entre nous et que vous repreniez le cours normal de votre vie. Ça, c'est le texte en français. Le texte créole, je vais lire pour vous. Fanatique John Colin Morvan, fanatique bébé Jimio, je dis à moi de parler avec nous de yon situation qui m'a fier de lui du tout. Qui s'allier? Moi passé de janvier 2020, de Willem tenant Radio Écoute FM en avril 2023, à parler de nous de yon membre valable dans la communauté haïtienne. Hein? Je dis à moi, viens dire nous que ça m'était qu'on a dit sous monsieur, ça, c'est pas de bagaille qui m'a preuve. Ni tout, m'pas qu'à prouver. Me fait en pile erreur là l'aime t'a parlé de monsieur ça RSA yo c'est moi celle qui responsable yo. Donc premier bagaille moi pour le faire dans vidéo ça moi va parler avec lui directement parce que moi voulais mander l'excuse en public monsieur Johnson Napoléon kounya moi comprendre douleur à très cas bagaille moi dit sous yo faire au passé moi senti yo
Monsieur Napoléon, et moi, j'ai un regret dans le cœur que j'ai mette tête moins dans la position ça. Faut que moi dis ou, moi pas gain assez expérience dans les affaires médias. Ça qui fait vraiment regret. Kounya, moi réalisé que kembe yon micro c'est un privilège, et moi, ak l'autre moun qui gain micro nan men nou, yo, pas ta doué abuser privilège ça. Moi prends engagement pour me pas faire erreur comme ça encore dans l'avenir. Et moi, prêt à le montrer plus professionnaliste dans parole, moi, yo, et j'en m'approche de sien, yo. Monsieur Napoléon, moi, désolé. Je comprends qu'on y a, que bagay, moi, t'ai dit sur yo, pas de vrai. Moi, regrette que parole, moi, yo, fait wabi, et yo, sale réputation en Chili, Haïti, et États-Unis. Et, désikem, monsieur Napoléon, c'est, pour yon jour, ou pardonnez, m't'en prie, même. Qui t'aime parler qu'on y a, à nous, fanatiques, à BBJ, yo. Nous tous connaissons que M. Napoléon réalisait un pile gros bagay et il contribuait bagay qui positif dans la communauté. Il travaille en pile et dans conditions qui difficiles pour arriver côté lié Kounia. M. Napoléon t'a doué Kounia a joui tout droit à l'honneur réputation. Ça, il bâti, bâtia par lui. Et me reconnaître ça tout. Parole moi dit sous lui depuis 2020. Yo, sale réputation. Bagay moi dit sous lui, yo t'es sans preuve. Et jouk jodi a m'ba gen aucun document qui ka prouvé samedi yo pour me dire non bien parole sa yo pas de vérité et m'pa droit di yo tout m'di en pile bagay sou monsieur Napoléon ak famille moi vle adresser sa yo en particulier concernant participation monsieur Napoléon dans mauvais utilisation fonds Petro-Caribé la Petro-Caribéa laver l'argent pour politicien ou soit participation dans activité corruption monsieur Napoléon pas gain rien pour le avec l'argent Petro-Caribéa m'pa ka prouver ça m'te dit nous yo on te dit nous que monsieur Napoléon participer dans affaire drogue l'autre activité criminelle monsieur Napoléon pas gain rien pour le avec affaire drogue et m'pa ka prouver ça m'te dit nous yo concernant Azu Collège monsieur Napoléon a dirigé institution ça pas dans laver l'argent Petro-Caribé vrai. Et il pas de faire mauvais utilisation fonds Petro-Caribé, à vrai. Moi, reconnaître que Azu Collège te baille bouse d'études pour étudiants haïtiens, te ka étudier aux États-Unis, et $400,000, c'est l'argent pour payer pour étudiants, c'est pas de l'argent l'étape lavé pour moun qui habitait, qui lapide l'argent Petro-Caribé. Moi, je voulais nous clair sur ça. Concernant activité commerciale, monsieur Napoléon gagné dans le pays Chili, on pas de aucun papier ni preuve qui a supporté parole, m'te dit, nous yo. Finalement, m'te dit, yon paquet de paroles, sans aucune raison, sous papa, monsieur Napoléon, monsieur Saint-Croix Napoléon, boss Sonson, m'en senti m'te sans respect pour mémoire, monsieur Saint-Croix Napoléon, que d'après Sam Vim Konen Kounia, qui te yon monsieur, qui travaille dit pour petit Lio, rive côté yo yé, jodi a, pour ça, m'mande, monsieur Napoléon, pardon, Jean monsieur Napoléon m'mande, m'en pral, moi prend engagement pour m'bay l'école journaliste nan faculté et sciences humaines dans l'université d'état d'Haïti yon don nan non papal monsieur Saint-Croix Napoléon pour aider former fiti journaliste pour Haïti moi tourner encore avec vous monsieur Johnson Napoléon parce que moi voulais encore répéter excuse-moi au public à coup ou ka siro que moi prend situation ça monsieur moi prend situation ça sérieux. Et moi reconnaître impact parole m'pa ka prouver yo gen sou vie personnel ou santé ou sou business ou yo et sou vie petite ou yo desikem c'est pour nous faire san capable pour nous rétablir confiance ken te gagner dans société avant de commencer parler de ou sur internet là pour ka continuer vivre la vie ou dans normalité Jean ça te pour John Colin Morgan. Et, j'aime d'abord dire, nous, t'es obligé de faire vidéo, ça, vous. Excusez-moi auprès de Johnson Napoléon. Parce que m'pas ouais, John Colin Morgan, petite Dessaline, qui pral camper en face Napoléon, jeune garçon qui a aidé dans le pays d'Haïti et dans la communauté côté la fonctionner. Bon, dans toute communauté haïtienne, non, comme, y'a un membre valable, côté Kembal dit des trucs qui pas, nécessaires devant juge à l'étranger de Johnson Napoléon. Et, monsieur était Johnson Napoléon, pardonnez-moi et acceptez excuse-moi ça vous voyez Bali là via vidéo ça en pile là mon frère fanatique BBJ et fanatique Johnson Napoléon
Je souhaite que nous comprenions tout bagaille, tout le temps nous venons plus de dimension, nous venons plus professionnel et son respect lié. Johnson Napoléon, habite-t-il côté Palme, habite-t-il côté Palme, et on leur, nous tous les deux, a fait même bagaille dans le pays d'Haïti, l'app dans businessman, l'app jeune support, comme influenceur, l'app jeune support l'autre. Moi, mais nous, en pile, et moi, mes fanatiques Johnson, yo, moi, mes fanatiques John Golem Morvan, et me souhaiter Johnson Napoléon, une dimension, pour, accepter excuses, publiquement, et continuer de travailler. Merci en pile, tout le monde.